Madame Cochon! Madame Cochon! Madame Cochon! Ah, Madame Cochon! Madame Cochon! Madame Cochon! Bonjour, Madame Cochon! Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Animal Crossing. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020, il est 10h06 à l'heure à laquelle on commence cet épisode. Et aujourd'hui, le retour de Madame Cochon de la bourse navet. Et la semaine dernière, nous avons acheté 1 million de navets. Cette semaine, pas 1 million. Pas 1 million 1, pas 1 million 2, pas 1 million 3, pas 1 million 4, pas 1 million 5, pas 1 million 6, pas 1 million 7, pas 1 million 8, pas 1 million 9, mais 2 millions de navets seront investis. Oh que oui. La spéculation, c'est la vie. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. Oh, me saoule avec cette voix. En ce dimanche 5 avril, bah, il est 10h07 en plus, voilà, bravo. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui. Ah. Eh ben on est très content, merci beaucoup pour ces actualités, Marie. Oui. Génial. D'accord. Vous pouvez attraper des pétales, oui, je sais. D'accord. Bah, merci. Bah, je suis ravi de savoir qu'il n'y a pas d'actualité aujourd'hui, Marie. Et la bourse au navet, alors? Bon, il faut qu'on trouve Madame Cochon. Objectif du jour, Madame Cochon. Oh, ma chérie, elle m'a laissé des noix de coco hier avant de partir. Ton téléphone sonne. Et oui, c'est vrai que j'ai vendu un petit peu de trucs dans la nuit. 5000, 6000. Ouais, 6000. Ah, c'est pas énorme. Bon. Il faut qu'on fasse notre petit tour. Merci chérie pour les noix de coco. Et Fike qui devient membre sub. Merci beaucoup mon cher Fike. Merci d'aider la chaîne. Merci beaucoup pour entamer cet épisode magnifique. Merci beaucoup. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Agidé. Ah oui, c'est vrai. Rang B. Oui, c'est pas énorme. En même temps, on n'a pas personnalisé notre maison parce qu'il fallait laisser de la place pour les... Pour les navets. Je suis censé avoir du courrier. Attendez, qu'est-ce que j'ai pas ouvert? Ah mais oui, mais je suis bête, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est idiot, enfin. Attendez. Ah, mais j'ai toutes mes lampes de jardin pour personnaliser. Le lit a bien changé, encore une fois. Vous aurez très certainement, dans cet épisode également, non, dans l'épisode de demain, parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées, voilà, ici, là. Tout ça là, et vous aurez un timelapse demain. Voilà, pour ceux qui regardent l'épisode aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous aurez un timelapse de toute la création de tout ça demain. Voilà, comme ça au moins c'est parfait. Donc ce sera demain, comme ça voilà, je pense que l'épisode s'appellera sur les ruines du monde, ou sur les ruines d'Animal Crossing, ce qui est très bien. Donc, on va aller checker déjà dans un premier temps. Tiens, j'ai un message. Prochain tournoi de pêche. Ah cool, le samedi 11 avril. Des récompenses à gagner pour qui pêchera plein de poissons. Venez tous y participer. Excellent. Et bah ok, il y aura un tournoi de pêche le 11 avril, c'est-à-dire bah, samedi prochain. Excellent ça. Et bah très bien. Ok, alors attendez. On va d'abord aller voir la boutique. On va d'abord aller voir la boutique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de changements. Vous aurez tout ça demain. J'ai même la lumière, oui. Bah comme ça au moins on est bon. On fait un petit épisode un peu calme. On va aller chercher. Oh, c'est quoi ça? Bonjour, sois bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir. Merci. Ah mais tiens, tissé. Oh, la boîte à outils. La boîte à outils. Caisse à outils. Évidemment que je vais l'acheter, je vais même l'envoyer à mon pote Léo, qui est portugais, encore une fois. Oui, j'achète la caisse à outils, évidemment que j'achète la caisse à outils, évidemment. Je l'achète deux fois, évidemment. Je vais acheter le fax aussi. Vas-y, j'achète tout, là. Ok, merci. Pas de soucis. Attendez. Alors, ça c'est à combien? Vas-y, j'achète. Yes. Et on prend ça aussi. En vrai, je ferais bien un petit garage, un petit truc genre au grenier ou au sous-sol, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très chouette dans la maison, faudra voir ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine aujourd'hui? Oh, c'est dégueulasse ça. Bon, il n'y a pas grand-chose en gros. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Alors, bon, ça c'est fait. Je vais leur vendre les fruits que j'ai sur moi. Achète-moi des trucs nouveaux, s'il te plaît. On va aller chercher. Bon, faut qu'on trouve Madame Cochon. Faut qu'on trouve Madame Cochon, absolument. Oui, j'ai pas mal de choses. Oh là là, j'ai trop de choses sur moi. Ça, oui. Ah oui, j'ai une écrevisse à mettre au musée aussi. Oh là, j'ai trop de choses. J'ai trouvé une écrevisse dans la nuit, dans mon petit lac au milieu. Faut que je vous montre. Attendez. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Il va falloir que je fasse de la place pour mes navets. Absolument. On va la faire de la place tout de suite. Faut que je récupère mes sacs d'argent aussi. Oh là là, mais il y a tellement de choses. Attendez. Oui, attends. Alors, attends. On va déjà stocker tout ça. On va stocker tout ça et on va aller chercher les navets dans ce petit épisode d'aujourd'hui. 2 millions de navets. Attends. Alors. Voyons voir.
tu peux pas les stocker, ça c'est vrai. Télescope, oui. Bouge avec Kéké, on va se le mettre dans le truc. Ok, lampe de jardin. Ah, attendez. Clôture en bois, entreposer. 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 J'ai peut-être mon pote qui m'a répondu pour les navets sur mon téléphone, puisque il avait un cours du navet aussi. Un bon cours du navet. Alors, clac, boum. Ouais, faut comparer les cours des navets, c'est important. Oh là là, il faut absolument que j'entrepose tout ça. Ça met un petit moment, mais c'est pas grave. Le cours du navet, c'est de 80 à 120. Moins vous l'achetez cher, mieux c'est. On précise. Tiens, qu'est-ce que m'a donné la JD? Plaquage JD d'argent. Ah, bah attends, j'avais le bronze. Ok, on est bon. Lampe de jardin. Je vais stocker tout ça. Oh, la musique stressante derrière, angoissante. Je vous laisse savourer cette petite musique pour cet épisode. Je vais entreposer les crevisses aussi. Entreposer les crevisses. Et j'aurai deux arbres à placer. Et la revente, c'est entre 20 et apparemment 800. On pensait que c'était 600 et finalement c'est 800. Alors bouge avec Kéké, c'est quoi celui-là? Oh là là, énorme! On va prendre une palette, hein. Je vais aller mettre les deux arbres. Je vais aller mettre les deux arbres et on sera bon. Allons-y. Allons mettre nos deux petits arbres et après, il faut qu'on trouve Madame. Bon, on va chercher Madame Cochon, mais l'île étant immense, je sais pas du tout comment. Attendez. Ah, mais va trouver la nana. Ouais, écoutez, je vais planter les arbres n'importe où pour l'instant. Là, il y aura une maison donc on peut pas. Je vais planter ça là, peu importe. C'est vraiment juste pour attendre. Ok. Allez, on met ça là, c'est bon. Il faut qu'on trouve Madame Cochon. Faut que j'aille récupérer de l'argent à la mairie de toute manière aussi. Putain, mais va la trouver. Je vais retirer l'argent. Je vais retirer mes 2 millions. Allez, vas-y. Alors. Ok, ça c'est bon. On est à 7000. Alors, attendez. Utilisez le DAC. J'ai combien? Ok, retrait, on va retirer 2 millions. Allez, boum, on retire 2 millions de clochettes. Important. Par contre, est-ce que j'ai pas mon inventaire plein? Il me semble que si. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. Et là. Je vais déposer de l'argent chez moi, de toute façon, parce que c'est là où je vais chercher mes navets. Parce que je pourrais pas tout acheter. Je pourrais pas acheter tous les navets, donc en fait, je pourrais les acheter que 500 000 par 500 000, je pense. Donc, il faut que je dépose de l'argent en attendant que je mette ma pelle en stock. Attendez, regardez. Je m'entrepose ma pelle. Et là, je lâche des sachets de clochettes, puisque de toute manière, je pourrais pas tout acheter. Oh, c'est tout un système, hein. C'est tout un système pour pouvoir aller... pour pouvoir aller acheter tout ça. Et après, il va surtout falloir les stocker chez moi, ces petits navets. Vous savez quoi? Je laisse cet épisode intégral avec, pour vous montrer un petit peu combien de temps ça met d'aller acheter des navets et tout. Comme ça, vous avez tout. Parce qu'en plus, de toute façon, il n'y a pas de timelapse aujourd'hui puisque je vais vous réserver la surprise pour demain. Oh, j'ai même plus de place pour l'argent chez moi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on dirait du Elvis Presley quand même. Oh, regarde-moi tout ce fric par terre. J'ai même plus de place pour mettre mon argent. Ok, on va y va comme ça. Allez, c'est parti. Oh là, tout ce fric. Et oui, ne donnez pas forcément votre code dodo.
sur le chat si jamais vous avez un... Enfin, pas tout de suite en tout cas, donnez-le plutôt en privé quand vous avez un très faible cours du navet. Merci à Cupido qui devient membre sub, merci beaucoup, re-bienvenue à toi, c'est ton deuxième mois. Un abonnement niveau 3, mais t'es ouf. Merci énormément, merci beaucoup pour la chaîne. Merci énormément Cupido. Oh là, mais quel amour. Bon, il faut qu'on trouve madame... Ah, notre passerelle est construite, cool. Oh, mais va trouver madame cochon sur cette île absolument énorme. Attendez. Alors ça, c'est l'objet perdu, apparemment. C'est quoi ça? Un objet perdu, très recherché, qui peut laisser le messager pour le lui rapporter. Ok, première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça. C'est stylé, quand même. Madame cochon! Madame cochon! Madame cochon! Madame cochon! Madame cochon! Oh, des étoiles! Madame cochon! Madame cochon? Madame cochon? Ah, madame cochon! Madame cochon! Madame cochon! Bonjour, madame cochon! Allez, j'ai plein de bonnes navets de la bourse là. Ils sont à 94 clochettes. Ouah, ça va, 94, ça va, je les achète ici. Ok, je les achète ici. Voici donc la maison au navet, le Pablo Escobar del Navetto. C'est ce qui clôture cet épisode YouTube de l'achat des navets. Pensez à acheter des navets. Cet épisode sera suivi dans la semaine d'un autre épisode où nous allons revendre nos navets au meilleur taux, évidemment. J'espère qu'il vous a plu. Un petit épisode du dimanche, un petit peu plus court que d'habitude, mais toujours aussi agréable. On n'a pas checké la boutique Nook, peut-être. Si, on a checké la boutique Nook. On a checké la boutique Nook, donc on est bon. Donc voilà, on a acheté pour 2 millions de navets. J'espère que cet épisode sur YouTube vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement, le partage. Comme d'habitude, le partage et l'abonnement. L'abonnement et le petit pouce, hyper important. N'oubliez pas également que les prochains épisodes seront en rediffusion, bien sûr, sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch, nous rejoindre en stream si ça vous intéresse, et du coup c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes sur Twitch, ne bougez pas, parce que nous on continue ce stream évidemment, et si vous êtes sur YouTube, eh bien je vous dis à très très vite sur la chaîne ou pas. C'est toujours encore à vous d'avoir grand de décider. Salut salut.